Salut les amis, c'est Supra 33910. On se retrouve sur Fallout 76 pour une petite vidéo. Alors, je m'y prends un petit peu en retard. Excusez-moi. Hein. Alors, il va y avoir. Il y a eu pas mal de mouvements, vous savez. Il y a eu un petit problème avec Modus. Il y a eu le retour des calcinés en folie, là. Les calcinés défaites. Augmentation de la mitraille, de l'or et tout ce qui va avec. D'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai pu m'acheter le dernier pan qui me restait de mon armure, la T65. Donc voilà, ça m'a permis un petit peu voilà de me faire un peu d'or. Donc il va y avoir une prochaine mise à jour la semaine prochaine, c'est-à-dire le mardi 12 avril. Donc, la mise à jour de quel métal êtes-vous fait est actuellement en ligne sur les serveurs test publics, fera son arrivée en juin. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que la mise à jour avec l'événement de quel métal êtes-vous fait, j'avais dit mai-juin et je me suis pas trompé. Donc c'est le 12 avril. D'accord. Après, cette mise à jour sera plus petite que celle qui introduisent du contenu en jeu, car elle est principalement destinée à corriger des bugs et ajouter de nouveaux objets dans la boutique atomique. Donc il va y avoir de nouvelles choses intéressantes dans la boutique. Donc, nous prévoyons actuellement de mettre le jeu hors ligne pour maintenance le mardi 12 avril à 16h, heure de Paris. Nous vous informons du déroulement de la progression sur le serveur Discord de Bethesda Studio dès que le lancement de la maintenance. Après, il y a beaucoup de choses. Il y a les serveurs test. Les serveurs test sur Steam. Bon, après, voilà. Ça, on s'en fout. Activité de ce week-end. Alors, on s'en bat un petit peu les cacahuètes. Ouais, donc le principal, c'était la mise à jour pour la maintenance. Et. Bon, c'est juste pour corriger des bugs, hein, des petits bugs par-ci par-là. Donc voilà la petite vidéo donc il y a pas mal de choses à voir et à revoir dans le jeu, continuer à fouiller. Après, je propose toujours d'accueillir s'il y a des personnes qui veulent essayer de venir essayer le peut-être dire des conneries, mais essayer jouer avec moi, pardon, sur Fallout 76 en monde world, parce que le monde world il est réglé comme moi je pense que le jeu devrait être réglé. Bon, j'ai désactivé certaines choses, mais ça vous le savez tous, hein. J'ai désactivé l'utilisation, je dis peut-être des conneries, mais on prend pas de matériaux dans la cage de bric-à-brac, même dans le camp. Il y a plein de petits trucs que j'ai déjà activé surtout pour la construction, moi qui aime énormément construire. Voilà, juste la construction, voilà ce que j'ai fait, quoi. Donc j'ai agrandi le budget, voilà, j'ai modifié certaines choses, j'ai augmenté un petit peu les dégâts. Par contre, en juin, donc ça va tomber un mardi. Attendez, on va regarder ça. Où est-ce qu'il est ce satané calendrier? Il est à calendrier. Donc, mardi, on sera le 12 mai, juin. Donc, il faut compter le 7 juin. Le 7 ou le 14 juin. Notez, le 7 ou 14 juin. Parce que je préfère, il suffit qu'il le repousse une semaine de plus. Je préfère qu'il le repousse un tout petit peu pour être tranquille, qu'on ait pas de problème. Donc voilà. Après, oui, donc je disais, en fait, construction, je vais vous montrer vite fait. Admettons, j'ai besoin, là, je veux dire une connerie, mais allez. Je vais peut-être dire une connerie, mais allez, on va faire lance-fusée. Ivoire. Bon, allez, lance-fusée. Je prends aucun.
je prends aucun matériau dans la cache. C'est ça qui est plutôt intéressant. Attends, tu veux dire que modifier, réparer. Cette personne inconnue ne m'était plus là. Je ne crois pas au destin. D'accord. Ok. Donc je construis un truc de merde. Ah mais non, mais je l'ai pas construit. Je pensais qu'on pouvait pas machiner la voie des sept. Voilà, modification. C'est quoi ce tarnac? Attends, on a Houston, on a un problème. Ouais, donc je peux pas modifier ça. Ok. D'accord. Bon, pourquoi pas. Je pensais qu'on allait pouvoir le passer de séance légendaire, machin, mais il a décidé que non. Bon, pas grave. Pistolet 44. Voilà, on va faire ça. Voilà, là je l'ai. Par contre, normalement, dans la logique, on va dire, je vais dire un petit truc parce que ça me turlipine. On va mettre culasse véritable. Allez. Canon, on va mettre le canon lourd. Poignée comme ça. Viseur, on va mettre. Comment ils vont faire ça par défaut? Oh, il est bien celui-là. Regarde. Mais normalement, dans la logique, quand tu modifies quand tu modifies la culasse, machin, dans la logique, ça devrait pas augmenter les dégâts. Dans la logique. Je voudrais bien qu'ils mettent le Colt P911 en arme sur Fallout. Parce que, attends, donc, juin, mise à jour, de quel métal êtes-vous fait? D'accord? Juillet, août. Septembre, octobre, mise à jour pour The Beat. Et novembre, décembre. Pour la mise à jour la parade de Nuka World. Je suis en train de calculer là parce que ouais, ça doit être ça. Je pense que ça doit être ça. Donc faut voir. Bon, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo et puis ce petit truc. Donc, merci de regarder cette vidéo, les amis. À la prochaine. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager à vos abonnés. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Et à très bientôt, les amis. Bye bye.